Amis, comment allez-vous? J'espère que nous sommes tout en forme. C'est un plaisir de commencer avec nous. On a l'heure ça. Ça va dépendre de l'équipe qui des vidéos pour que nous parlions d'informations sportives sur le plan national. Nous parlons de sélection nationale du pays d'Haïti. Nous parlons de deux sélections. Nous parlons de sélection et seniors qui sont joués et deux matchs qui sont passés là-haut. Nous parlons de chances que Haïti gagne pour le qualifier pour la Coupe du Monde dans les Jeux Olympiques et comment ça pourrait aller pour Haïti. Si on live pour me faire pour me parler ensemble avec nous, mais m'apprend et un bon petit temps. Il y a plein de monde qui toujours pose des questions sur l'information que me fait bail. Il y a plein de monde qui pas fin regarder vidéo. Maintenant demande ou même qui veut sur vidéo, ça prend 100 pour regarder vidéo et comprendre tout ça. On a expliqué le très bien et pour comprendre ça. Bien parler de sélection U20 qui quitté pays aujourd'hui à destination de la République dominicaine. Nous parlons du qui s'appelle passer pour sélection U21, qui est qu'elle a joué, qui possibilité de gagner tout lui-même pour le qualifier pour Coupe du Monde U21. Eh bien, nous allons commencer avant que nous fassions ça. Toujours remercier chaque ami qui toujours été connecté au channel, ça ou même créer le channel là pour la première fois. Abonnez, partagez, invitons les amis ou même tout qui s'y ancien abonné, aidez-nous toujours faire travail là pour nous capables de toucher plus de monde parce que rêve pas nous, c'est parler de football haïtien, rêve pas nous, c'est faire des amis, un grand channel parce que nous parlons seulement de football haïtien, joueur haïtien, cap joueur à l'étranger, quel que soit côté joueur haïtien à jouer depuis que nous avons possibilité pour nous parler de lui, nous parlons de football haïtien catégoriquement sur channel ça. Eh bien, bon, commencer avec sélection senior là. Sélection senior là, avant que m'aller dans U20 pour me dire nous commence à parler pour U20 à propos de semaine ça. Sélection senior qui a joué dans le groupe E-Kelia, qu'on a dit que coupe c'est partie et compétition ça, nous les championnats de la CONCACAF. Pour que ça arrive, les championnats de la CONCACAF, parce qu'il n'y a pas fini en éliminatoire seulement pour la Coupe du Monde, il vient au championnat de la CONCACAF parce qu'il gagne trois compétitions en dedans. Trois compétitions en dedans, c'est la Coupe du Monde 2023 qui s'est faite dans le pays Australie, Nouvelle-Zélande. Il gagne les affaires Gold Cup 2024 qui s'est faite là, États-Unis. Il gagne tout, il y a un championnat encore, il gagne pour les affaires Jeux Olympiques Paris 2024. Ça veut dire que c'est un championnat pour trois compétitions liées. Mais les plus faciles pour la sélection nationale pays d'Haïti pour qualifier pour Coupe du Monde là, et pour Coupe du Monde là, et qualifier pour Gold Cup là, et pour qualifier pour affaires Jeux Olympiques là. On va l'expliquer comment livrer vraiment difficile. Gain première fois là, tu fait tirer au sort pour te parler de compétition ça dit, mais comment que ça va le faire pour qualification Coupe du Monde là? Comment tu parles il fait te dit comme ça que et deux premiers, là on parle des deux premiers yo, de chaque groupe, yo, et deux premiers de chaque groupe qui qualifié pour Coupe du Monde. Là. Comment on parle des deux premiers qui qualifié pour Coupe du Monde là? M'a besoin avant que des deux premiers. Ça veut dire que dans le groupe qui a joué là, il y a 6 équipes. 6 équipes qui ont joué actuellement, il y a 30 équipes, il y a 6 groupes. Dans 6 groupes, ça c'est 5, c'est 6 équipes qui ont qualifié. Ça veut dire que premier dans chaque groupe, yo, a qualifié pour aller rejoindre les deux équipes qui étaient dans la zone, qui sont deux têtes de série, qui sont États-Unis et Canada. Vous allez faire deux groupes ça, deux groupes de quatre, deux premiers. Si vous parlez des deux premiers, ça veut dire que vous pas dit que et premier de chaque groupe, mais vous dites deux premiers. Mais une différence là, qui gagne entre premier de chaque groupe et deux premiers. Deux premiers, ça veut dire que premier et deuxième, dans chaque groupe, vous avez dit deux premiers, a qualifié pour Coupe du Monde là, directement. Il faut que je lise ça pour me dire comment vous dites dans deux premiers la qualification de groupe là pour capable comprendre même pas ou en vrai créole pour capable comprendre ça que nous disons et pour Coupe du Monde là. Les deux premiers ça vient qualifier, il faut qu'on ait que deux troisième, on prend troisième de chaque groupe, il parle de troisième de chaque groupe. Nous parlons de participer dans un tournoi intercontinental. Comment on dit le finaliste et la troisième place. Et progresseront également vers un play-off olympique de la CONCACAF qui se jouera en septembre prochain 2023. Le vainqueur du play-in gagnera également sa place aux Jeux Olympiques d'été Paris 2024 et Gold Cup féminin 2024. Ça veut dire que l'équipe qui pourra jouer dans la troisième équipe, la troisième et finaliste, là, il pourra le gourmet pour être capable de jouer nos places. Pour affaires Jeux Olympiques là. Ça veut dire que bagay yo pas aussi facile comme ça. Mais
les ça que vous finissez qualifié, gens que vous qualifiez catégoriquement, toi et deux premiers vous finissez qualifié, troisième, non, troisième, deux, troisième, vous finissez tournoi intercontinental et monde qui finissez gagné le tournoi continental là, et tout le finaliste là, le même libre à jouer catégoriquement, ça veut dire que vous pouvez jouer face avec l'équipe qui était troisième, non, pour qu'on ait qui est qui peut aller jouer. Qui peut aller jouer et les affaires et Jeux Olympiques de Paris 2024 là. Ça veut dire que bagaille pas aussi facile gens qui nous pensions, c'est pas beaucoup plus difficile pour équipe là aller dans la Coupe du monde. Je dis pour calendrier absolu, nous déjà connaît comment ça va aller, mais équipe Haïti en Ligue 1 pour jouer deux derniers matchs dans affaire dans tout ça, il va jouer face avec équipe face à l'équipe à Saint-Vincent. Parce que l'équipe Vierge Britannique là, qui joue le 8 avril cap vin là et puis il gagne pour jouer le 12 avril nous pour connaître. Si en Haïti, nous pour connaître si dans République Dominicaine. Mais et pour aller jouer match en République Dominicaine, match que était joué dans était recevoir équipe était recevoir équipe Honduras en République Dominicaine, là il a dépensé près de $10,000 pour que match football ça lui-même était joué. Et bien que s'il était en Haïti, pas comme monsieur Damien a dépensé toute l'argent ça, mais il a dépensé en question de $10,000 pour match football là lui-même est arrivé jouer. Et puis tout pour c'est comme ça ça a pied. Et puis coupe Léo pas arrivé dans phase j'aime dire phase qui vaut coupe plus mauvais qui peut arriver dans phase de polio qui peut arriver dans phase 2 équipe 4 et 8 équipes là laisse ça c'est phase qui peut jouer et cap sorti 4 juillet pour 28 juillet qui a fait dans pays et Mexique. Ça veut dire que laisse à tout football pour finir dans tout monde là football pour finir. Ça veut dire que sélection haïtienne a une possibilité pour carré Lyon près de 27 ou soit en 30 joueurs ou soit 28 joueuses pour commencer à préparer compétition à 2 semaines de cela ou soit 2 ou 3 semaines avant 4 juillet que compétition a commencé pour que tu fait une bonne préparation avec joueuses laisse à que on gagne dans 27 ou 26 joueuses qui va préparer catégoriquement compétition ça l'on fin préparer compétition les 4 juillet l'on va entrer dans compétition ça nous pas connait dans quel groupe que nous y c'est après n'a connait dans quel groupe que nous y l'on fin faire tirage au sort laisse à que nous même n'a travail catégoriquement pour nous capable de joindre possibilité pour nous qualifier pour Coupe du monde ça. Qualifier pour Coupe du monde là, c'est faut que nous gagnons qu'on ait que 2 victoires, 2 matchs ont été offerts, fait 2 victoires pour nous capable de jouer une qualification. OK. Moi je parle de sélection hiver qui était pays jeudi c'est mardi à destination de pays République Dominicaine pour aller participer dans Coupe du monde là. Nous pour qu'on ait liste officielle là, mais nous connaît que on seul joueuse qui était deux joueuses qui étaient confirmées qu'il y a dans hiver c'est Megan qui était 213 qui était dans équipe senior là, l'irrité pour le jeu avec gardienne là Modine, c'est deux joueuses alors que nous connaît, mais nous pour gagner liste là catégoriquement pour dire mais qu'il liste joueuse qui pourra jouer sélection U20. Et puis tout et sélection U20 a joué pour a jouer match yo parce que il a joué pour un match contre Cuba dans République Dominicaine et puis tout match il a joué à 5 à 6 heures dans pays République Dominicaine cap 5 heures dans pays d'Haïti. Pourquoi c'est comme ça que la pied pour pays d'Haïti c'est comme ça que me la pied. Et bien match football ça États-Unis a joué la donne tout Jamaïque a joué la donne mais c'est vendredi 25 qu'elle a commencé. La commence vendredi 25, mais Haïti lui-même l'a vu le 26. Haïti a joué pour le match à 6h, 26 contre Cuba. Et puis, il y a eu le deuxième match partout, tout suite encore. Après le 26 à 28, il y a eu le contre, et dans le lundi à 28, il y a eu le contre l'équipe Guatemala. Et puis, il y a eu le troisième match cap le 3, mon quoi, le 3, il y a eu le troisième match les deux contre Jamaïque. Et puis équipe qui premier dans groupe là, yo pral jouer, il y a deux équipes qui déjà qualifiées pour cette compétition, qui déjà qualifiées pour 8e de finale yo. Par exemple, équipe qui qualifiée pour 8e de finale yo, c'est Suriname déjà qualifié, il y a équipe que Mayan Lion qui déjà qualifié et il y a équipe Asso qui déjà qualifié pour cette compétition, ça capitaine de l'autre équipe ça au Bermude, 4 équipes qui qualifient, c'est 4 équipes qui prend dans un groupe ça ou qui joue là. Ça veut dire que faut qu'il dit bat pour le premier dans groupe là pour la jouer dans premier au soir et gain premier et après prendre premier et deuxième pour qualifier catégoriquement pour nous connaître comment ça même
libre à lier pour sélection haïtienne. N'a besoin de connecter, n'a pas autant d'informations de sélection haïtienne qui va jouer compétition si là.